Kate Middleton a envoyé une carte à un fan pour le remercier de son soutien. Le contenu a été dévoilé par The Express ce mardi 9 avril. Droit d'auteur Best Image. En bref, le 16 janvier, le palais de Kensington a annoncé le retrait médiatique de Kate Middleton suite à une opération abdominale, avant qu'elle ne révèle souffrir d'un cancer dans une vidéo le 22 mars. Kate Middleton a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu, notamment à travers une réponse personnelle à un message de soutien partagé par @alexmariol1 sur X, soulignant sa proximité avec les Britanniques. La princesse de Galles met l'accent sur l'importance de son rétablissement avant de reprendre ses obligations, demandant respect pour sa vie privée tout en remerciant pour le soutien global. Le 16 janvier dernier, le palais de Kensington a surpris les Britanniques en annonçant le retrait médiatique de Kate Middleton. La duchesse de Cambridge a subi une opération abdominale programmée mais aucune précision n'a été apportée par la suite. Après plusieurs mois de spéculations et rumeurs infondées, Kate Middleton a pris la parole dans une vidéo, annonçant souffrir d'un cancer. L'épouse du prince William a immédiatement reçu de nombreux messages de soutien et un en particulier l'a touchée. Comme l'a indiqué The Express ce mardi 9 avril, Kate Middleton a souhaité y répondre. C'est l'utilisateur @alexmariol1 sur X, anciennement Twitter, qui a fait part de cette nouvelle, ravi d'avoir reçu un message de la part de l'épouse du prince William. En janvier dernier, quand nous avons appris que notre magnifique princesse de Galles avait été opérée, je lui ai envoyé une carte pour lui souhaiter un bon rétablissement, peut-on d'abord lire. L'utilisatrice ajoute ensuite avoir reçu une lettre de Kensington Palace le 6 avril dernier. Aujourd'hui, j'ai reçu ceci et je peux honnêtement dire que je vais chérir ce trésor toute ma vie, a-t-elle d'abord indiqué. L'enveloppe indique que cela provient de Kensington Palace et mon mari pensait qu'il allait devoir se trouver un costume pour une fête, a-t-elle plaisanté avant d'ajouter, mais il est aussi surpris que moi d'abord reçu cette magnifique carte. Kate Middleton, une princesse proche des Britanniques dans la lettre, il était indiqué, merci pour vos gentils mots dédiés à Son Altesse Royale la Princesse de Galles. Votre geste attentionné est très apprécié. De quoi faire plaisir à Alex Mariol qui ne s'y attendait pas du tout. Selon les informations du tabloïd, Kate Middleton aurait envoyé des cartes similaires à d'autres fans lui ayant écrites il y a quelques mois. Dans les commentaires du message de l'utilisatrice, de nombreuses personnes se sont réjouies. C'est une réponse magnifique. Vous avez un bon cœur de lui avoir envoyé une carte qui, j'en suis sûr, a beaucoup compté pour elle, a écrit un d'entre eux avant de demander l'adresse pour écrire à son tour à Kate Middleton. Des délicates attentions qui ont dû faire plaisir à la principale concernée, toujours très présente pour les Britanniques. Kate Middleton a hâte de retrouver ses obligations mais elle doit tout d'abord se reposer. Dans sa vidéo, elle avait rappelé l'importance de prendre soin de sa santé avant tout. Mon travail m'a toujours procuré un profond sentiment de joie, et j'ai hâte d'être de retour lorsque j'en serai capable, a-t-elle affirmé avant d'ajouter, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur mon rétablissement complet. Une simple phrase qui mettait en évidence le fait que son retour pouvait être repoussé. Au début, la possibilité qu'elle revienne pour le service de Pâques a été évoquée. Par la suite, c'est ça le 8 juin prochain, à l'occasion du second anniversaire d'accession au trône de Charles III, qui a fait l'objet de rumeurs. Mais sera-t-elle suffisamment en forme pour y assister ? Kate Middleton, une femme qui a besoin de se reposer après avoir fait l'objet de nombreuses rumeurs, Kate Middleton a pris la parole dans une vidéo le 22 mars dernier. Elle a annoncé souffrir d'un cancer,
demandant également au public de respecter sa vie privée. En effet, elle a expliqué avoir besoin de temps, d'espace et d'intimité pendant qu'elle poursuit son traitement. Un parallèle important avec la princesse Diana, qui souffrait énormément d'être au centre de l'attention. Aujourd'hui, c'est l'épouse du prince William qui souffre des théories inattendues, l'obligeant à dévoiler des choses qu'elle ne voudrait pas dire publiquement. Une vague de soutien a vu le jour sur les réseaux sociaux suite à la publication de la vidéo de Kate Middleton. Dans la foulée, c'est en compagnie du prince William qu'elle a pris la parole dans un communiqué. Merci pour votre chaleur et votre soutien. Nous sommes tous les deux tellement touchés, a-t-on d'abord pu lire. Par le biais de celui-ci, la princesse de Galles et son époux ont souhaité remercier toutes les personnes qui ont eu une pensée pour eux. Le prince et la princesse sont tous les deux très touchés par les adorables messages envoyés par les Britanniques, les ressortissants du Commonwealth et le monde entier suite à l'annonce faite par son Altesse royale, est-il indiqué. Il est ensuite demandé à ce que la vie privée de Kate Middleton soit respectée. Just need something.